mes très chers amis, ma petite famille de tout cœur, la meilleure tribu d'âmes que j'ai jamais connue. Merci d'être là. Et aujourd'hui, je vous salue et je vous accompagne durant cette période de pleine lune, période, comme vous savez, de manifestation, manifestation de ce qu'il y a là-dedans, de ce qu'il y a là-dedans. Et comme vous savez, toute forme de manifestation a des phases. Il y a des phases qui vont se manifester dans leur timing. Et le timing de manifestation va évidemment être très relié à la lune, aux phases de la lune. Et donc, en ce moment, une période de pleine lune manifestation, on va manifester à un certain point dans l'émotionnel, dans la pensée, dans les décisions, dans les actions qu'on peut entreprendre, et là où nous sommes aujourd'hui. Le point évolutif sur lequel on se trouve aujourd'hui. Donc, pour pouvoir clarifier tous ces types de réflexions et de questions en vous, je vais vous accompagner aujourd'hui et je vais vous passer des messages qui vont être lancés par l'oracle de riz noir. Voilà, je ne sais pas si vous les voyez bien parce que c'est noir, voilà. Et c'est de riz noir qu'en fait, il a été offert au signor Bhairava. On dit que c'est prasad, quand un aliment a été offert à une divinité, et il a été chargé et béni par la divinité, donc c'est un aliment qui devient prasad. Et donc, ce riz-là a été touché par l'énergie et la grâce du signor Bhairava, que c'est le Dieu qui va détruire tout ce qui ne nous sert à plus rien, tout ce qui est enraciné dans la peur, tout ce qui est enraciné dans un mental de pauvreté, de misère, conditionné par les lois de la 3D. Et donc ça nous libère, ça nous permet de connecter à un monde beaucoup plus large, qui est géré par d'autres lois qui ne sont pas la loi de la physique, les lois de la nature. Sont gérés par la loi divine, et donc ça nous libère et ça nous détache des formes de souffrance et des petitesses, ok? Donc, je vais réaliser pour vous cet oracle et de riz noir, Bhairavisé, on va dire comme ça. Déjà, avec garder ça dans l'esprit. C'est un moment pour vous libérer et de vous déconditionner de la loi de la nature pour connecter à la loi divine qui est en dessous de la loi de la nature, des forces naturelles. Okay? Liberté, détachement, c'est le moment de finir avec certaines formes de souffrance, certaines formes de pensée qui sont petites. Et puis c'est le moment de nous élargir, de respirer, de rêver. Ok? Donc, le message que je vais lancer par le riz, je vais le finir avec les tarots également. Un message qui sont lancés par l'esprit du tarot, l'esprit de la vérité qui nous parlera à travers le tarot qui représente l'inconscient. Aussi le riz, ok? Donc, ça complémente. Donc, et n'hésitez pas si jamais un des messages que je peux lancer, ça vous touche. Ou si vous, vraiment, vous vous sentez attiré, n'hésitez pas à me contacter. Je suis toujours là, disponible. Et vous me trouverez par mail. On peut prendre un rendez-vous. Ça sera mon plaisir de vous accompagner, d'être avec vous un petit moment. Et puis, voilà, par mail, je vous enverrai toutes les infos dont vous avez besoin. Et n'hésitez pas à me contacter. Ça sera mon plaisir, mon honneur, mon privilège. Donc, gardez soin de vous et on y va à votre propre tirage. Ah, une dernière chose avant que j'oublie. Vous pouvez regarder bien votre signe solaire, les signes solaires, les signes ascendants, donc solaire, lunaire, ascendant. Et ça peut être aussi indicatif et révélateur. Regardez les signes qui correspondent à la position de votre Vénus dans la carte astrale. Encore une fois, si vous avez des doutes, si vous ne connaissez pas, dites-moi, je fais ça avec plaisir et je vous envoie cette information avec plaisir. Et puis, vous pouvez regarder tous les messages
Et dans l'horoscope, vous pouvez regarder les signes qui correspondent à toutes ces positions-là. À la Lune, au Soleil, à l'Ascendant et à votre Vénus, ok? Ça peut jeter plus de lumière dans des autres aspects de vous et de votre vie. Et puis maintenant, je m'en vais et on passe directement à vous passer votre message. Bonne lecture! On va donc voir, maître cher Poisson, quel est le message que l'Esprit de la Vérité voudrait bien nous passer pour confirmer vos pensées, dissiper les doutes, soulager les peurs, confirmer vos ressentis? On va donc voir qu'est-ce qu'il y a ici. Quelle est votre énergie aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe dans votre réalité intérieure? Ok, et la toute première forme d'énergie que je perçois ici, vous avez beaucoup de capacités, de puissances intérieures, mais vous êtes en mode comme une. Ben c'est l'énergie que je ressens, c'est ça que je vois, et c'est comme une vache qui est toute douce. C'est une vache pleine d'amour, toute docile, toute gentille. C'est une vache qui nourrit, qui donne, qui apporte, qui soutient, pleine d'amour. Il y a un sens aussi d'innocence ici. Mais certains parmi vous, peut-être vous ne réalisez pas la puissance intérieure et certaines capacités qui sont en vous non révélées, non manifestées encore. Ok, ça part là. On va voir quelque chose d'autre, quel pourrait être un autre message pour vous. Ok, ce que je vois ici, c'est que pour beaucoup parmi vous, on va dire comme ça, vous avez des sentinelles qui vous gardent, des sentinelles qui vous préservent des événements, des relations et des circonstances désagréables ou dures, pour pouvoir continuer à être dans cette vibration de soutien, d'amour, de bienveillance, d'innocence, ok? Vous êtes préservé de quelque chose. Il y a une forme de... Et vous savez, des gardiens, soit parce que vous les demandez, soit parce que vous les savez. Il y a des sentinelles qui vous préservent de certains mal, ok? Ok, c'est beau ça. C'est beau ça. Quelle est l'énergie qui vous influence dès maintenant? Pardon. Quelle est l'énergie qui vous influence? Ok, et l'énergie que j'observe ici, en fait, c'est vraiment... Alors, c'est vraiment l'énergie d'un koala, ok? C'est un koala, vous savez les koalas comme ils sont. Ils ne sont pas pressés. Ils sont complètement adaptés à leur propre rythme. Ils sont complètement adaptés à leur propre écosystème. Mais ils sont spéciaux. Ils ont besoin de conditions spéciales. Et si tu les sors de leur propre environnement qui est assez unique, ils sont du mal. Parce qu'ils sont très, très spéciaux.
c'est comment, quand j'ai persévé avec la vache, une énergie vraiment amoureuse, c'est vraiment très tendre, très nourrissante. Vous apportez beaucoup de chaleur et beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance à ceux qui sont autour de vous en ce moment. Vous soutenez beaucoup certaines parmi vous, vous soutenez beaucoup à vos proches. Et certains parmi vous aussi pourraient être aussi l'indicatif que vous vous sentez vraiment accroché à certaines personnes ou à certaines situations, ok? Et ça pourrait être aussi une sorte d'avertissement. Ne permettez pas d'être trop dépendante des circonstances et des situations externes parce que tout ça va changer un jour. Et donc, lorsque ça changera, si vous êtes trop dépendante, vous allez vraiment souffrir et tomber dans un cycle de souffrance, de questionnement. Donc, attention aux attachements. Ok. Ok. Quelle est la possible manifestation que vous pourrez réaliser en ce moment? Quelle est la possible manifestation ici, mes très chers poissons? Alors, ce que je vois ici, c'est que vous savez, vous allez remarquer certaines limitations, ok? Il y a des limitations dans votre vie, dans votre pensée, que vous ne voyez pas trop. Mais qu'à un moment donné, vous allez vous sentir coincé, en quelque sorte, de quelque manière. Vous allez percuter certaines limitations dans votre liberté, dans votre capacité à vous exprimer tel que vous êtes, d'exprimer votre créativité. C'est une limitation de votre liberté, ok? Vous allez percuter ça. Et quand on percute des limitations pour notre liberté, là, ça nous fait changer la pensée. Ok? Et ça, peut-être, ça va vous secouer un peu. Ok, on va compléter cette lecture avec le tarot, mes très chers. On va voir quel est le message ici avec lequel on pourrait finir cette belle lecture en fin de compte. Quel est le message ici, mes très chers poissons? Oh! Ok, déjà il y a cette énergie, l'énergie des deux de bâtons. Le deux de bâtons, c'est une énergie déjà des béliers. Donc, les béliers, c'est oser donner les pas dans les chemins des lumières. Qu'est-ce qu'on fait? On donne les pas vers notre liberté ou on reste là où on est privé de notre liberté, mais qui quand même est confortable parce qu'on les connaît et parce qu'on a assuré tout ce qui est basique pour nous. Mais qu'est-ce qu'il y a de nos aspirations supérieures? Est-ce qu'on va oser donner les pas? Ok, je vais voir une autre carte. Ok. Ah, ouais. Il y a des événements qui viennent vers vous, ok? Certaines choses vont changer et il y a de nouveaux challenges, nouvelles situations qui vont vous mettre dans la réflexion, l'introspection et les conflits intérieurs, ok? Voilà les conflits. Vous allez devoir exprimer une énergie pour transformer la situation. Parce qu'en quelque sorte, une nouvelle situation va vous mettre hors de votre équilibre. Et cet état de bienveillance, innocence, gentillesse que je vous disais avec l'énergie de cette vache, on va dire comme ça. Et là, vous allez vraiment être confronté dans cette perte d'équilibre. Ok? Donc, c'est un nouveau challenge.
Vous allez pondérer, identifier, et vous allez devoir engager une autre forme d'énergie pour pouvoir transcender, changer ou sortir d'une situation. Okay. C'est le message que j'ai pour vous, mes très chers poissons, en espérant que ça vous aide et en quelque sorte. Gardez soin de vous, soyez heureux, et je vous dis à très bientôt.